Je vous dis bonjour dans le nom de Jésus. Nous sommes en direct du ministère du Seigneur Jésus-Christ, nouvelle génération, dans la phase de témoignage. Le témoignage, c'est pour rendre gloire à Dieu et faire honte à Satan. Maintenant, nos frères et nos sœurs veulent témoigner pour la gloire de Dieu. Appliquez vos foies en écoutant ce témoignage et que le meilleur reste à venir dans votre vie au nom de Jésus. Viewers all over the world, we are right now in the phase of testimony wherever you are. Distance is not a barrier. Be connected to this testimony. As you will be connected, as they are going to testify, you also, you will receive your own testimony and your deliverance in the name of Jesus Christ. Bonjour, madame. Bonjour. Présentez-vous et donnez-nous votre merveilleux témoignage pour la gloire de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Mon nom est Grace. Je viens remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Ça faisait pratiquement un an. J'étais à Pau au Calaba. Je ne parvenais pas à manger un repas sans d'abord prendre le Calaba ou après même. Et c'était comme ça tous les jours. Et dimanche après la délivrance de l'homme de Dieu, j'ai goûté le Calaba, c'était plus pareil. Je ne parvenais pas à faire deux jours même sans le manger. Mais aujourd'hui, ça fait sept jours, de dimanche à dimanche, je n'ai pas goûté le Calaba. Voilà pourquoi je viens rendre grâce à Dieu. Amen. Yes, our sister come to testify of his goodness, the goodness of the Lord. She said her name is Sister Grace. She has come to testify what the Lord has done for her. She said she has been addicted to Calaba chalk. That is the native chalk. She has been eating it every day. She cannot eat normal food without eating this Calaba chalk. She has been addicted to it. And by the grace of God, last Sunday, she came out with it and the man of God delivered her. After the deliverance, she tasted it and the taste disappeared. From Sunday until now, it is 7 days now, she has never tasted Calaba chalk. She has not had the taste of it until now. That is the reason why she has come to testify the goodness of the Lord. Amen. Amen. Put your hands together for Jesus Christ. Beaucoup de gens vont se poser des questions. C'est quoi le Calaba? Le Calaba ici est connu sous le nom de cognement. C'est une drogue que les femmes ou hommes utilisent pour pouvoir satisfaire leurs désirs. Et c'est la même chose qui est arrivée dans la vie de cette jeune femme. Elle était accro à ce Calaba-là. Et c'est dimanche dernier, durant le jour du Shiloh, qu'elle a été localisée par la gloire de Dieu. Et Dieu l'a délivrée. Et aujourd'hui, elle est complètement libre. Pour la gloire de Dieu. Amen. People of God, as you can know, when we talk about Calaba chalk, everybody knows. You know how Calaba chalk is just like drugs that people are addicted to it. This is a kind of thing that so many people are addicted to it, both men and women. And by the grace of God, last Sunday, in the Shiloh day, through the general touch, the Lord used the anointed servant of God to deliver her out of it, and now she is delivered to the glory of God. Amen. Amen. Oui, madame, je vais te poser une question. Est-ce que après ta délivrance, tu as encore goûté à cette drogue? Après ma délivrance, je n'ai plus goûté à ce Calaba. C'est vrai, mardi, j'étais au marché. Quand je suis allée au marché, c'est comme pour dire que quand on est délivré, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus être tenté par le démon. Mardi, j'étais au marché. Quand je suis arrivée au marché, j'ai vu le Calaba de partout. Et là, j'avais un peu peur. Mais j'ai mis dans ma tête que je suis délivrée et je ne veux plus retomber dans les mêmes travers. Depuis ma délivrance, je n'ai pas goûté au Calaba. She said, after a deliverance, it does not mean that the devil cannot tempt you after the deliverance, after your deliverance. On Tuesday, she went to the market. She saw all over the market this Calaba chalk, but a man went there, but one mind came there that
that you are delivered, you shouldn't tempt the devil to tempt you. And she resisted it, and that was all. So she has never tasted it since from that day until today. Amen. Lui, est-ce que tu as encore l'envie de goûter à cette drogue? Non. Oui, peuple de Dieu, lorsque Dieu délivre, il délivre instantanément. Et maintenant, la délivrance a pris place dans sa vie pour la gloire de Dieu. Amen. La réponse pour la gloire de Dieu. Amen. She said she never has the urge to eat the chalk anymore. People of God, you should know that when the Lord has delivered you, he has delivered you for good. So, the Lord has delivered her and she is totally delivered. Et quel est le conseil que tu peux donner au peuple de Dieu et aux téléspectateurs qui te suivent? Le conseil que je peux donner au peuple de Dieu ou aux téléspectateurs, c'est de faire confiance à Dieu. Parce que souvent, nous sommes addictés à certaines choses qu'on n'arrive pas à se défaire. Mais il faut faire confiance à Dieu pour pouvoir être libéré complètement de ces addictions. Amen. Amen. He said, when you have this kind of thing, you should run to God. It is the devil that used you to be addicted to this kind of thing. So you need to run to the Lord to be delivered. Amen. Seigneur, nous nous réjouissons avec toi pour ce que le Seigneur a fait dans ta vie. La délivrance que tu as reçue, c'est pour le salut de ton âme. Serre Dieu en esprit, en vérité, et que la grâce du Seigneur t'accompagne pour toujours au nom de Jésus.